à cheval, qui avance toujours sous 30 ans. Là, on fait notre trébuchet, nous, tranquillement. Je sais pas ce qu'ils font ici, mais ils le font, hein. Ils vont finir par mourir de faim aussi. Alors, ils sont sur la capitale, ils sont sur quoi? Ah non, la capitale est là. Siège réussi. On a capturé du monde. Le problème, c'est que je perds des hommes de partout là. On va se mettre dans la plaine ici, on va essayer de récupérer de la nourriture en attendant. Oula, mais en fait, il se fait tabasser lui. Attendez, attendez, attendez. Le sultan, invasion arabe de Despota de Ravenna, ça d'accord. Conquête comtale kikoyenne de Sheikha de Sarama. D'accord. Ah, mais il est en train de perdre parce que Naga est en train de se faire tabasser, je crois. C'est ça le truc. Mon petit-fils est emprisonné. Mais je m'en fous, il a pas. Enfin, je m'en fous. Non, parce que ce petit-fils pourrait se marier à ma petite-fille. Et pourrait m'intéresser de ce côté-là, mais essayer de se regrouper, ça me plairait bien. Reprendre un peu de bouffe. Ça me plaît moyen cette histoire-là. Alors ce qui me rassure, c'est qu'eux ne sont pas mieux en termes de nourriture, mais... On va essayer de retrouver un peu de nourriture quand même. Si on peut refaire une bataille, moi ça m'arrangerait. Là j'aurai la nourriture. Là c'est bon. Et après, on va essayer de rapprocher tout le monde parce que là. Ok, 20 par 20. On va essayer de laisser 2-3 mois. Architecte, c'est bien. Est-ce qu'on a un autre truc qu'on veut aller chercher? J'aurais tendance à dire le savoir maintenant, hein. On va monter le développement de partout.
Ah, s'ils font ça, on les attrape, on les tue. Et ça m'arrangera parce qu'ils vont devoir fuir loin. Des super bâtiments comme les merveilles de CK2. D'accord. Pourquoi pas. Bon, par contre, il faut qu'on choisisse sur nos petites filles. Elle est paranoïaque, indulgente et zélée. Est-ce que vous pensez que Fadima est préférable à Asaïta ou pas? À Isata ou pas? Ouais, je suis plus Fadima pour l'instant, hein. Je pense que l'autre va se faire déshériter malheureusement. Ah bah là, ils vont prendre tarif, hein. Là, c'est le tarif, hein. Monsieur, c'est par ici la paye, hein. Joker. Athlétique ou journal intime? Érudition, perte de stress. Athlétique. Petite santé de bonus, prouesse plus 1. Plus j'approfondis mes études, plus le lien entre le corps et l'esprit devient évident. Trop d'inquiétude peut rendre malade, et l'esprit n'est pas plus fort que son récipient. Mon ami Sarkin Majan affirme que de faire de l'exercice l'aide à maîtriser son stress. J'ai par ailleurs lu que tenir un journal intime peut aider aussi. Ah, journal intime, ça me dirait bien. Hein. On a le journal intime qui me donne de l'érudition, donc de la recherche plus rapide. Ça, c'est bien ça. Donc on fait notre journal intime. Cher journal, moi, impératrice de Dora, ai décidé aujourd'hui d'exécuter tel homme. Parce que je suis l'impératrice. Voilà. Y a pas d'autre raison. Il n'a rien à dire, c'est moi l'impératrice. Bon, par contre, 8 mois pour faire tomber ce territoire-là, ça va être coton si on casse pas plus vite les murs. Si on pouvait faire la maladie aussi là-bas dedans, ça me plairait bien. On va en profiter pour aller regarder Genghis Khan. Ah ouais, il a commencé Genghis Khan là. Il a perdu quand même 8000 soldats spéciaux. Bon, par contre, pourquoi il perd autant de fois? Il n'y a quasiment pas de piété. Il a que 49 ans, Temujin, hein. Ça fait relativement jeune encore. Bon, là, par contre, ça meurt de maladie de partout. Plus 5. On va regarder aux statistiques lequel sera le meilleur, hein, de toute façon, pour l'héritier. Mais à mon avis, la princesse Fadima, c'est elle qui va avoir droit aux honneurs de prendre la tête, hein. Par contre, ils ont toujours de la bouffe au bout de tout ce temps-là. Ils se prennent tellement déraclés là. Ok, la grande brèche. Il nous reste plus que la bouffe. Foutez-moi le feu à leur réserve de bouffe, s'il vous plaît, pour qu'on passe à 8 jours. Ah, voilà, ça me plaît, ça. Ils l'ont dans combien de temps? Dans 7 mois, d'accord, parfait. D'ailleurs, toi, t'as pas amélioré les cultures là.
Bon, j'aimerais bien faire un événement de siège tous les 8 jours là. Pour vos sièges, placez un spécialiste en siège. Oui, je sais, oui. Bah, de toute façon, là, c'est gagné pour le coup. Mais toi, on va t'accorder des titres. Et on va te transférer un vassal. Voilà, comme ça. Oui, j'oublie chaque fois le spécialiste de siège, mais ça viendra, ça viendra. Ensuite, on voulait aller du côté des Abbassides. Mais on va attendre que l'armée revienne un petit peu quand même, parce que, bon, mine de rien, elle a pris quelques raclées là. J'aimerais qu'elle reprogresse à nouveau. Je vais faire le tour quand même de mes. Alors, ça c'est la capitale. Ça c'est quoi? Ça c'est ça, ok. Ça c'est ça, ça me va. Ça me va à peu près. Brillant stratège et pillard. Eh ben, jeune fille, je crois que ça va être vite vu. C'est vous l'héritière du royaume, hein. Ok. Et celui qui est là, par contre, est-ce qu'il m'intéresse tant que ça? Oui, à la rigueur, si je le mets là. On va devoir attaquer le Mali, on va attaquer donc l'Abyssinie, on va attaquer le Mali. L'Abyssinie, c'est un royaume complet. Ouais, mais non, c'est pas bon. S'il est pas bien placé, ce royaume. Il faut qu'on prenne Ça, c'est quoi, ça? C'est les Blémillas, d'accord. Ok. Bakrid est ici. Il est sur Makouri. Ok. Toi, tu subis la guerre par ça. C'est quoi ton autre guerre? D'accord, il y a une guerre libération, ok. Toi, tu te fais attaquer par qui? Ah, c'est Saladin, ça, d'accord. Conquête comtale de Sheikha de Samara. Invasion arabe de Despota de Ravenna. Pour l'instant, il gagne. Hein. Par contre, le 1600, le moins 1600 de pièces d'or, il est royal. Hein. Il est plutôt pas mal là pour l'instant. Mais là, faut que les musulmans se fassent botter le cul. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on attaque Saladin à un moment. Hein. Bon, par contre, notre argent, ça serait bien de le dépenser. On a de l'argent, c'est bien. Mais faut le dépenser, c'est mieux. Bon, j'ai dit que ça, résistance d'archers d'escarmoucheurs, je suis pas super fan, je sais pas pourquoi. L'agriculture du désert, résistance de la cavalerie légère. Ouais. Et ça me donne infanterie lourde piquée et plus de levée. Et ça, des levées. Ouais. Bah ouais, mais bon. Résistance, si, oui, si, c'est pas si mal. Augmentation du contrôle. Ah bah si, oui, d'accord, les camps militaires, c'est intéressant. Mais là, taux de levée, renforcement plus 5%, levée 825, temps de construction des bâtiments. Dégâts d'infanterie lourde, ouais, si, c'est pas si mal. Comme déjà dit dans une autre vidéo, il est toujours bon de rappeler certaines choses à un streamer qui peut parfois oublier certaines choses, c'est vrai. On va faire ça dans ces cas-là. Et ça, c'est intéressant en fait, ouais, pour le temps de construction. On va le prendre comme ça. La ferme sur la colline, ça donne de l'argent, c'est bien.
Mais ça m'a pas l'air d'être si fameux que ça. Parce que sinon j'ai le camp militaire ou la caserne. Mais la caserne, on a dit que c'était de l'infanterie lourde du piquet, temps de construction, ok. Et le camp militaire, c'est pour tout le monde et ça augmente le contrôle. Mais par contre, on a dit que le fort sur la colline, c'était plus de défense. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de défense? La réponse est clairement non. Donc là, on va faire un camp militaire. Ça, c'est intéressant pour la cavalerie lourde et la cavalerie légère. Donc ça va être amélioré. Ça, on a dit qu'on pouvait l'améliorer. Et ça, on a dit qu'on pouvait l'améliorer. Ok, on a baissé un peu notre argent, mais c'est temporaire, donc c'est pas grave. Bonne fin de soirée, Gigi Golo, merci d'être passé. Merci à toi. Je pense qu'on va. Oula, Dongo, qu'est-ce que quoi? Dongola. Il est en Makuri. Je pense qu'on va l'attaquer, Dongola. Hein. On va l'attaquer pour prendre son territoire, le donner à lui. Et on va donner l'Abyssinie aussi. Mais l'Abyssinie, on va l'attaquer tout de suite, par contre. Va prendre le duché. Je suis censé avoir peur de quoi là? Il a que 200 troupes! C'est quoi ce royaume en carton-pâte? Bon, pour le principe et parce qu'on est puissant, on va le montrer, mais bon, on a dit qu'on devait marier. Alors toi, je suis désolé. Hein, tu vas, on va te déshériter. Tes fils sont bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Et donc toi, tu deviens notre seule héritière, bien sûr. Et comme tu es notre seule héritière, on va te marier à quelqu'un d'intéressant. Cet homme est très intéressant. De mon ombre, de quoi qu'on parle de mon ombre? Mais regardez ça! 300 soldats! On a 100 fois ça! Et ça se dit roi! C'est honteux! C'est honteux ça, madame, c'est honteux! Bon, alors comment ça se passe dans le monde? Cordoue-Valence, ok. La Francie, bon, là c'est toujours autant le bordel. Et ici, ça va bien. Ok, la Suède. La Finlande, tiens, la Finlande existe. Et Ukonusko. Mais attendez, mais c'est pas possible. Dites-moi que les catholiques font quelque chose. Oui, bon, à part avoir un roi-évêque. Il fait quoi ce pape? Il sert à rien ce pape. Bon, ensuite, on a la ruse blanche, d'accord.
Excusez-moi. Ok. Donc la ruse blanche, je disais, on a la mort d'Ovi, qui est... Oh, israélienne, d'accord, israélite, très bien. On suit toujours l'épopée de Genghis Khan, qui est actuellement en guerre contre bah, ce pauvre gars, là, qui va se faire rouler dessus, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Le reste, ça se tient, hein, à peu près. On a les chaïdes qui tiennent quand même une bonne partie ici. Des Tadjiks qui arrivent de leur état. Si on a un djihad sur nous, comment on va pas être bien par contre? Ah! Nous avons donc découvert les trébuchets. Ce qui me pousserait à aller chercher les hommes d'armes pour aller chercher d'avoir une faction de trébuchets que l'on va améliorer à côté. Bon bah on a gagné la bataille. On a gagné la bataille, qu'est-ce que je vous dise, il y a un moment. Est-ce qu'on peut partir en pèlerinage? Toi t'es quoi toi? Toi t'es Bori. Toi t'es Syndiqué. C'est de la famille ça? Ah non, c'est pas de la famille ça. C'est pas de la famille non plus. Des lance-pierres mécanisés, ouais. Une Bretagne allemande, oui, mais en fait il est roi de Bretagne et roi de. Voilà, et roi de Bavière. Ça vous étonne, vous? On est sur CK2, enfin sur CK3 ou on n'est pas sur CK3? À un moment, faut plus s'étonner de grand-chose, hein. Bon, par contre, les Mandés... Duché de Mandé, duché de Mandé, duché de Mandé, ça va être demandé, mais dans ta gueule, quoi. Le roi du Darfour, il vient pas trop gros avec tout ce que tu lui donnes. Il serait pas mieux pour la corne de... Si, si, on va commencer à mettre autre chose, mais ça serait qu'il commence à faire la guerre en fait. Garde étranger, c'est quoi? Prouesse plus taille d'élevé. Protection divine. Ah! Ça c'est chiant. On va prendre ça, tant pis, ça me baisse mon... ma capacité de... Toi, t'es en tôle. On avait dit qu'on allait attaquer le Mali pour le Mandé. En plus, c'est la plupart de ses terres, donc ça va bien déclarer la guerre. Duché de Mandé. Avec ça, on va pouvoir envisager la guerre avec l'empereur byzantin, hein. Connaissance vous échappe encore, pas de chance. On fera un petit repas quand on aura fini. Baisser le stress de quasiment 50, c'est parfait ça.
Faudra qu'on attrape son armée là. Alors. Bon, c'est pas cool, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe là? D'accord. J'ai gagné un peu de stress. Enfin, j'ai perdu un peu de stress dans l'histoire, mais bon, l'événement était pas top top. Par contre. Ah, si elle meurt, c'est cet homme-là qui est là. Jeffrey de Gojam. Ça me plaît pas trop ça, cette histoire. On pouvait pas augmenter la couronne là? Ah, pas avant 1220, c'est vrai que c'est. Ce qu'il va falloir qu'on le fasse pour calmer un peu les velléités dans le pays. Après, on transférera les rois au fur et à mesure, enfin les vassaux au roi. Certes, ça rendra les rois puissants, mais on pourra mieux gérer les vassaux en petit nombre. Que trop divisé, ça peut être compliqué. Pédagogie. C'est comme ça. Je vais commencer à éduquer son fils à elle. Ah, il est pas invité à la cour. Ah, ils arrivent à perdre des sièges tout seuls comme des grands en fait. Je comprends pas le principe de ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait. Ah, par contre, ils en ont fait des forts ici. Il y a des forts partout. Mais en même temps, c'est des territoires qui sont plutôt riches à 5, 5 machins. Ça va pas être évident à prendre, ça. Ah, le grand rite, ça m'arrange. Alors, l'art du commerce, est-ce qu'on veut un d'intendance en plus? Pas vraiment, hein. Succès remporté, des ombres partout. Oui, mais je l'avais déjà remporté, cette. Est-ce que chercher l'aide des esprits serait utile maintenant? Ouh, j'obtiens de la force! Est pas mal. 3 ans pour prendre ce territoire. Ah bah on a le temps alors. Je pense qu'on va en faire tomber du territoire en attendant, hein. Parce que 3 ans pour prendre ça, bon courage, hein. Alors, attendez. Terminé à convertir le comté. D'accord. Convertir le comté. Toc-toc-toc. Où est le.
Ah, elle est plus... Ah bah si. Ordre orthodoxe fondé, à ce que j'ai vu. Ça, plusieurs ordres orthodoxes, ça sera pas la joie par contre. Bon, 3 mois ici. Après, on va taper ces armées-là. Prenons un peu d'argent avec notre argent. Hein, c'est toujours mieux, de toute façon. Ou alors je vais prendre Tabon avant et puis... À 4,7 par jour, ça avance quand même vite, hein. J'ai qui sur cette armée? J'ai mis quelqu'un qui faisait du siège ou pas? Oui, c'est quelqu'un qui fait du siège, donc c'est très bien. Et là, les hommes d'armes, c'est dans 10 ans, d'accord. On a les guildes qui progressent un petit peu. 185, 173, 195, d'accord. Non, c'est la chevalerie qui avance bien à côté. 16 ans. La chevalerie qui avance et la chevalerie nous permettrait d'avoir opinion du vassau direct plus 5, efficacité des chevaliers plus 25%. Les enfants qui terminent les éducations avec un intérêt d'éducation en martialité obtiennent un trait étudiant en chevalerie. Oh, ça peut être intéressant ça. Qui est Bagaria?